Non mais moi je suis prêt, ça tourne là. Et bonjour à tous, c'est Locan pour Locan.fr. Aujourd'hui on teste un petit peu la vidéo du Nikon D300S. On est monté à la Bastille et comme vous le voyez il neige un petit peu. L'objectif qui est monté sur le Nikon actuellement est un Tamron 17-50 ouverture constante en 2.8. Il faut savoir que lors d'une vidéo prise avec un réflexe, l'ouverture ne peut pas être modifiée. C'est ce que reproche la plupart des personnes faisant des vidéos avec, que justement vous ne pouvez pas jouer sur votre profondeur de champ, il n'y a pas un accès manuel à l'ouverture de votre objectif. Donc ici, comme vous le voyez, normalement l'arrière-plan va être plus ou moins flou légèrement puisqu'on a une focale de 5-5-6, le décor étant quand même assez clair, et moi normalement je dois être net. Donc l'intérêt ici est de tester un petit peu ce que le micro va faire avec l'appareil photo, de tester mon petit frère qui est derrière en train de gérer tous les réglages de prise de vue, et surtout de voir les gens qui passent et qui se disent ils font une vidéo importante pour tout le sport etc, alors que non, pas du tout, c'est juste pour un petit site. Donc normalement si je sors du champ, vous voyez l'autofocus ne va pas se faire, c'est à dire que derrière ça va rester flou comme c'était, tandis que si je reviens la mise au point est restée sur moi. Ça reste du mode manuel malgré que ça soit une vidéo avec un mode autofocus. Il faudrait à ce moment là appuyer sur le petit bouton AF on, ce que tu vas faire à Thomas, appuie, reste appuyé. Et donc là, la mise au point se fait pendant que vous me filmez. Donc vous voyez, c'est absolument dégueulasse. Vous avez le scale, etc., la modification. Tu peux lâcher si la mise au point est terminée. Et voilà, donc là, ça vibre un petit peu, on stabilisera tout ça. C'était Locan pour Locan.fr. Vidéo avec le D300S. L'avantage est bien sûr qu'on peut changer les optiques et monter par exemple un 10-24 si vous voulez faire une vidéo grand angle et que vous n'avez pas trop de recul. Je crois que je vous ai tout dit. Je vous lâche et vous dis à très vite. Ciao, ciao.